Guten Tag. Je vais parler en français. On m'a demandé de parler de football, mais je crois que c'est une erreur. C'est pas la bonne journée pour en parler. Donc je vais parler du travail. On aime tous le football. Monsieur le Président de la Confédération allemande des syndicats, cher Rainer Hoffmann, Monsieur le Président de la Confédération des associations patronales allemandes, cher Ingo Kramer, Mesdames et Messieurs les dirigeants des organisations syndicales et patronales allemandes et du reste du monde, Mesdames et Messieurs les députés du Bundestag, Mesdames et Messieurs les ambassadrices, les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, tout d'abord, je suis, en tant que membre du gouvernement français, très honorée et ravie d'avoir été invitée pour l'anniversaire de l'accord de Stinnes-Legin. À la lecture de cet accord, on pourrait se dire que c'est très loin, mais il y a quelques aspects qui nous montrent qu'il faut s'inspirer de l'histoire, dans ce beau lieu du musée de l'histoire, pour se projeter dans le futur. Le contexte, c'était il y a un an, c'était une atmosphère politique internationale, marquée par la fin de la Première Guerre mondiale, les mouvements révolutionnaires dans certains pays, la montée en puissance des extrêmes, déjà. Et l'accord est le résultat d'un compromis. Il a posé les bases d'un modèle allemand des relations industrielles structurées qui existe avec force. Je dirais le fameux Mitbestimmung, qui est une source d'inspiration et d'interpellation dans tous les pays. En France, à peu près à la même époque, en 1919, il y a eu deux lois, celle qui officie les conventions collectives, celle qui fixe la journée de travail à 8 heures. Pour autant, et si j'ose dire, jusqu'à l'année dernière, le système de relations industrielles en France est demeuré et demeurait toujours plus étatisé dans son approche contextuelle, c'est-à-dire avec une part énorme apportée à la loi, moins grande au contractuel, au compromis dans la branche et l'entreprise. J'y reviendrai, c'est ce que nous avons changé dans la loi sur la réforme du Code du travail et des relations sociales l'année dernière en France. Mais d'abord, peut-être d'une façon plus internationale, 100 ans après l'accord de Stinnes-Legin, où en sommes-nous dans les relations de travail? Vous le dites mieux, évidemment, que moi pour l'Allemagne, mais je pense que la place des conventions collectives et de la reconnaissance mutuelle est toujours, et même peut-être encore plus, d'actualité. Les conventions collectives sont au centre des relations de travail de nombreux pays, mais il y a aussi de nombreux pays où elles sont fragiles, voire presque inexistantes, voire interdites. Et donc, notre conviction commune en Allemagne et en France, qui est que c'est cette approche de la convention collective, du compromis social, permet d'adapter à la fois les besoins des entreprises et ceux des salariés, c'est-à-dire la compétitivité et le progrès social, même si c'est un compromis toujours en discussion, c'est quelque chose qui n'a pas encore convaincu tout le monde entier. Il est fort dans beaucoup de pays, mais il reste beaucoup à faire. Or, aujourd'hui, nous sommes dans un nouveau contexte. Et je prendrai deux aspects. Le premier, dans les changements profonds des relations de travail, c'est évidemment la transformation numérique qui va bouleverser les relations de travail dans le monde entier, parce que la transition numérique, elle amène à la fois l'interpellation du collectif et de l'individuel, puisque beaucoup des travailleurs des plateformes numériques ou des travailleurs du numérique sont des individus dits indépendants, donc ça pose une question sur les relations de travail, mais aussi parce que le champ du travail, la nature du travail, les compétences nécessaires et le statut du travail sont en train d'évoluer à grande vitesse. C'est plein d'opportunités, mais c'est aussi plein de risques. C'est une zone clairement grise dans les législations du travail national et international. Et c'est un sujet dont va s'emparer l'Organisation internationale du travail dans son anniversaire des 100 ans l'année prochaine, mais aussi toutes nos discussions nationales sur ce sujet. Et je pense que c'est bien qu'on ait un dialogue international, notamment européen, poussé par la France et l'Allemagne sur le sujet. Le deuxième champ qui change beaucoup, c'est le champ même du dialogue social. Il y a des débats en France et dans d'autres pays sur est-ce que le champ du dialogue social
ne concerne que les salariés permanents dans les entreprises, ou est-ce que le champ du dialogue social doit, évidemment de façon moins normative, mais embrasser dans ses réflexions la transition, la lutte contre le réchauffement climatique, les sujets d'égalité de femmes et des hommes, mais au-delà même de la sphère d'entreprise, la question des demandeurs d'emploi et la question des migrations. C'est une question ouverte, je pense, auquel on ne peut pas échapper. Évidemment, ça n'est pas le même dialogue que lorsqu'il s'agit de la responsabilité propre des entreprises, mais ces sujets de société traversent le champ du dialogue social. Un point peut-être sur la France. La présentatrice a eu l'amabilité de dire que j'étais une réformatrice en profondeur de la France. J'ai eu la chance, confiée par le président de la République et le Premier ministre, d'avoir en charge, effectivement, depuis 18 mois, deux réformes majeures, la loi sur le renforcement du dialogue social et la loi sur la liberté de choisir son avenir professionnel, précédée pour la deuxième de deux négociations avec les partenaires sociaux. Alors, la loi pour le renforcement du dialogue social, qu'on appelle parfois les ordonnances, c'est une technique législative particulière, elle porte sur une idée simple, il faut décentraliser le dialogue social. Là où on trouve le meilleur compromis de la performance économique et de la performance sociale, c'est dans l'entreprise et c'est dans la branche. Alors, pour vous, ça paraît une évidence. Pour la France, c'est une révolution culturelle. Et loi est donc désormais en application et votée. Tous les textes d'application sont en vigueur depuis le 1er janvier de cette année. Cette loi de décentralisation qui crée effectivement un comité social économique qui est pas équivalent, mais qui s'inspire, qui est assez proche du Betriebsrat, en tout cas, qui est un peu moins avancé dans la codétermination, qui est facultative, mais qui, par contre, permet d'avoir un interlocuteur unique pour les entreprises, où on parle aussi bien de la marche des affaires, de l'organisation du travail, des relations sociales, de l'égalité homme-femme ou des augmentations salariales. Et donc ça, c'est un point important. Il a été beaucoup discuté en France avec une crainte de beaucoup, en disant « mais si la loi ne prévoit pas tout, est-ce que ça va marcher ?» Et donc j'étais amenée souvent à donner les exemples de l'Allemagne et des pays nordiques, avec un leitmotiv qui est la confiance dans les acteurs et l'approche contractuelle encadrée par la norme, mais la norme légale c'est un cadre général, c'est des orientations, mais c'est le compromis social qui apporte le plus de valeur. Et donc nous avons donné cette priorité, nous avons donné aussi comme priorité l'attention aux petites et moyennes entreprises, parce que notre droit social était souvent fondé sur l'expérience des fonctionnaires, du patronat et des organisations syndicales, mais dans les grandes entreprises. Et beaucoup de nos dispositions de loi étaient difficilement applicables dans les petites et moyennes entreprises, qui sont 3 millions en France et qui sont plus de la moitié des emplois. Donc nous avons aussi adapté les lois dans ce sens-là. La deuxième loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel fait des avancées majeures en matière de formation tout au long de la vie, de droit de chacun des 26 millions d'actifs à, en plus des efforts de formation des entreprises, avoir un droit direct exerçable en matière de compétences, le développement massif de l'apprentissage, qui a toujours été un point faible de la France, et on a des premiers signaux très positifs dès ces derniers mois, et puis l'égalité professionnelle homme-femme, sur lequel nous prenons des mesures très résolues et très vigoureuses sur l'égalité à travail égal, salaire égal, et enfin le développement de l'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap. Au-delà de ces lois, je pense que c'est un changement culturel que nous visons. Ce sont des lois de changement culturel. Les résultats ne peuvent pas être immédiats, c'est du long terme. Mais en changeant le lieu, le centre de gravité où se passe le compromis social, je pense que nous faisons œuvre utile pour le futur. Et il y a déjà 9000 comités socio-économiques qui se sont mis en place dans une paix sociale totale. Or, personne n'est obligé de le signer. Donc j'en prends comme signal que quelque chose est en train de changer. Sur il y a un point que je voudrais aussi aborder avec vous qui me paraît très important, c'est la question des accords cadres internationaux. Il est clair que les chaînes de valeur sont mondiales et que la responsabilité des entreprises ne peut pas être la même en centrale pour le reste du monde, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'en a pas dans une chaîne de valeur mondiale et qu'il faut trouver là de façon pragmatique et juste des voies de progrès. Dans ce cadre-là, j'ai eu la chance, que je dirigeais les ressources humaines du groupe Danone, de signer le premier accord international concernant 100 000 salariés dans le monde et qui était sur un socle minimal de protection sociale.
Il y a eu des effets, évidemment, de justice sociale, c'est évident, ça a sauvé des vies, mais on a eu des effets aussi sur la compétitivité, sur l'engagement des salariés, sur la baisse de l'absentéisme et la réduction des accidents du travail. Donc je crois, par expérience, au compromis social et économique, je l'ai expérimenté. Dans ce cadre-là, il y a aujourd'hui 300 accords internationaux qui existent dans des groupes internationaux, dont 90 ont été signés par les entreprises françaises. Et c'est pour ça que je voudrais saluer l'initiative qu'avait pris le Premier ministre suédois, récent, de mettre en place cette initiative Global Deal, qui est une initiative volontaire d'organisation syndicale, d'organisation patronale, d'entreprise, de gouvernement, pour voir comment on peut développer, de façon non normative mais volontaire, cette approche de la chaîne de valeur, je dirais d'une régulation sociale de la mondialisation, mais assumée et organisée au sein des entreprises. Et c'est pour cela que le président de la République française, en novembre de l'année dernière, à Göteborg, a annoncé l'adhésion de la France à la démarche Global Deal. 4 de nos 5 organisations syndicales ont adhéré au Global Deal. Les organisations patronales, si j'ose dire, pas encore, mais 17 de nos 40 plus grandes entreprises ont déjà adhéré et disent que ça leur apporte de la valeur. Je voulais le signaler parce que je crois qu'en même temps que au sein de l'Organisation internationale du travail, ces sujets de la chaîne de valeur et de la régulation sociale de la mondialisation sont apportés, autant je crois aussi à l'initiative directe des entreprises, des organisations patronales et syndicales pour faire avancer de façon pragmatique mais efficace ce sujet. Ma conviction profonde, c'est que la mondialisation ne peut pas être acceptée par de très nombreux concitoyens qui préfèrent les extrêmes s'il n'y a pas plus de régulation sociale de la mondialisation. Dans l'intérêt social et économique, il nous faut plus de régulation sociale et je trouve que cette démarche est intéressante parce que c'est une démarche volontaire qui éclaire la voie. Un peu comme les entreprises l'avaient fait à la COP21 où des entreprises avaient pris des engagements volontaires en réduction du climat, parfois en avance sur leur propre gouvernement. Mais ça, je pense que si ça avait été que les gouvernements, ça aurait été moins porteur. Et c'est robuste, on a pu le voir, même quand un gouvernement recule, les entreprises continuent. Alors, que pouvons-nous faire ensemble en Europe, au sein de l'OIT et au sein du G7? En Europe, nous avons eu des échéances importantes récemment sur le travail détaché, notamment. Nous avons des échéances importantes devant nous. Au Conseil EBSCO des ministres du Travail en décembre, nous espérons adopter une orientation générale sur la création de l'autorité européenne du travail, qui ne remplace pas et qui ne se substitue pas au travail de chaque pays, mais qui permet de coordonner les efforts quand il s'agit de fraude internationale notamment. Nous souhaitons aussi, comme l'Allemagne, que l'Europe sociale intègre mieux les sujets d'égalité entre les femmes et les hommes. J'ai rencontré votre ministre de la famille, Franziska Giffey, tout à l'heure, après avoir évidemment rencontré Hubertus Heil, avec qui nous travaillons étroitement depuis mon arrivée au gouvernement. Et nous allons soutenir ensemble un compromis équilibré. Nous étions tous d'accord pour la directive telle que votée par le Conseil en juin. Et nous allons faire des propositions communes pour un aboutissement qui respecte les différences entre les pays, mais tout en faisant avancer l'ensemble. Nous avons aussi beaucoup à faire sur le budget européen. Je pense notamment au budget sur le développement des compétences, qui est vital. Toutes nos économies sont en profond bouleversement par rapport aux mutations numériques. Et pour ça, nous avons besoin d'un investissement massif. C'est probablement intéressant que l'Europe y contribue. Et Erasmus, je pense notamment à Erasmus de l'apprentissage que nous voulons pousser pour valoriser l'apprentissage. Nous sommes aussi en pleine campagne non officielle encore des élections européennes. Mais enfin, comme je ne vais pas faire de commentaires, évidemment, sur aucune situation politique d'aucun pays. Mais on voit bien que les extrêmes peuvent très vite affaiblir l'idée d'Europe. Et notre conviction au gouvernement français, c'est que nous avons besoin de plus d'Europe, mais mieux d'Europe, pour assurer, mais beaucoup mieux d'Europe, mais pour assurer à la fois la compétitivité de l'Europe et le progrès social en Europe qui sont intimement liés. Il est clair que si l'Europe s'affaiblit, le poids de l'Europe et de chacun de notre pays, même l'Allemagne et la France, par rapport au bloc, je dirais par rapport à la Chine et par rapport aux États-Unis, diminuera. Nous aurons moins notre voix dans le monde, tant sur le plan économique et social, et je pense que ça serait dommageable d'entrer dans une
de ne plus être dans la première cour comme on peut l'être quand on porte ensemble l'Europe. Alors, en ce qui concerne l'anniversaire de l'Organisation internationale du travail, au plan national, j'y travaille avec les partenaires sociaux. Et au plan européen, nous avons convenu avec Hubertus Heil d'y travailler ensemble pour voir si on a des propositions qu'on peut faire pour que l'Organisation internationale du travail, on en a parlé à l'instant, ne soit pas juste un anniversaire pour dire on a 100 ans, mais l'intérêt d'avoir 100 ans, c'est de se projeter dans l'avenir, en gros, qu'il y ait quelque chose de concret qui en sorte. En ce qui concerne le G7, l'année prochaine, nous avons une opportunité unique puisque les agendas de l'OIT croisent la présidence française du G7. Notre président de la République l'a annoncé, un des thèmes importants sera celui des inégalités. Le président de la République m'a demandé donc d'animer un G7 social qui préparera le G7 des chefs d'État, un G7 social et sur lequel nous voulons travailler sur, évidemment, les mutations technologiques, la transformation numérique, ses compétences sur les relations du travail, sur les compétences, sur les impacts de tous ordres. Nous voulons aussi travailler sur les questions de multilatéralisme, sur lequel notre gouvernement est très engagé et pense que nous avons besoin d'être un débat sur les institutions, mais sur le fait que nous ne pouvons pas être schizophréniques et avoir un agenda financier, social, économique et environnemental qui se va au contraire les uns des autres, alors que nous sommes tous impliqués dans chacun de ces agendas. Et enfin, toujours sur le G7 social, nous voulons parler de l'égalité entre les femmes et les hommes, sur lequel la présidence canadienne a bien commencé et sur lequel nous voulons aller plus loin, ainsi que sur les protections sociales minimales dans le monde. Sans être plus longue, parce que le plus important, c'est le débat, je voudrais dire que je pense qu'en Allemagne comme en France, du côté des partenaires sociaux comme des gouvernements, nous sommes quand même conscients que nous sommes tous conscients que nous sommes au niveau mondial, au niveau européen, comme de nos pays respectifs, à un moment très sensible, à un moment qui peut être fragilisant pour l'Europe, pour notre dialogue social, pour notre progrès économique et social, ou au contraire, qui peut être une opportunité. Dans tout cas, c'est un moment de profond changement technologique, économique, politique, et où l'association de toutes les parties prenantes pour chercher des solutions est essentielle. Comme je le disais, notre conviction, c'est que l'Europe, pour durer et pour apporter de la valeur, aussi bien sur le plan économique que sur le plan social, elle a besoin d'avoir un contenu social plus fort. Nos concitoyens, aujourd'hui, ils le disent fortement dans les élections, ont l'impression que l'Europe ne les protège pas assez. Eh bien, prenons le pari ensemble que cette approche que vous avez au niveau allemand depuis 100 ans, qui est que oui, le compromis social et économique, ça apporte de la valeur, nous sommes prêts à le porter ensemble. C'est aussi notre conviction au niveau européen. C'est urgent, c'est important pour le long terme et je me réjouis que nos deux pays travaillent ensemble si étroitement pour, à partir d'histoires très différentes sur ce sujet, contribuer à trouver les solutions aux grands défis d'aujourd'hui et de demain. Je vous remercie.